OK. C'est certain? Oui. Parfait. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'essaye le bacon de mon ami Martin. J'essaye ça. Il est excellent. Ben oui, pourquoi pas sur YouTube, ça va être bon. Fait que, Martin, comment que ça s'appelle ton bacon? Bacon Maple Leaf, produit des États-Unis. OK. Ouais. Faut dire que les Canadiens anglais sont pas mal américanisés. Ça. Moi, tu sais à quoi ça me fait penser? Non. Ça me fait penser quand j'ai vu de la lutte amateur dans un entrepôt. Il y avait des Canadiens anglais qui disaient que les Québécois, c'est les trous de cul du Canada en français. Ils ont dit ça. Ah. Puis c'était... Puis il y avait la ceinture du championnat, justement. Puis sais-tu quoi? Ouais. Ceux qui se sont battus contre ces deux tatas-là, ouais. Ils ne voulaient pas leur ceinture parce qu'ils disaient que c'était une ceinture en carton. OK. Puis j'ai trouvé ça drôle. En tout cas. Ils sont là pour provoquer le monde, hein? Ah oui! Clairement, clairement. De toute façon, je ne me souviens plus comment il s'appelle, puis c'est pas important. Alors? En tout cas, ce bacon-là, il est bon pareil. Mais je pense que j'achèterais le bacon La Fleur. Ouais. Ouais. C'est la prochaine fois. Spécial. Ah, OK. Parce qu'il est en spécial. OK, tu pourrais bien te le permettre. Ouais. OK. Fait que là-dessus, c'est fini. Fait que je dis bye-bye, à la prochaine. C'était Canadien-Anglais-là, il y en a un dans le coin qui scandait USA. Puis en plus de ça, il fait à croire qu'il est pour le Canada. Voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. Ça prouve que les Canadiens-Anglais sont pas mal américanisés. Fait qu'est-ce que tu penses de ça? Dis-moi donc ça. Ben d'accord, je pense. Ah ok, c'est ça que je voulais savoir. C'est ce que j'avais oublié de dire, puis... Là-dessus, je vous souhaite salut, puis à la prochaine.